Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, c'est Cyril. Je vous retrouve pour un nouveau chemin du bonheur spécial sortir de sa zone de confort et en photo. Et c'est une évidence que de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des éléments comme aujourd'hui ici, dans la chaîne des Puys. Il neigeait depuis quelques jours. C'est inconfortable au niveau corporel parce qu'évidemment il fait froid, il y a du vent, mais en même temps c'est très vivifiant. Et pour moi c'est ça aussi, sortir de sa zone de confort, c'est arriver à se dépasser, à enlever ces petites chaussures confortables qu'on met à l'intérieur de sa zone de confort, ces petits chaussons, et puis s'embarquer sur la route, comme ici, à la recherche de la beauté, à la recherche simplement du moment et des surprises qui peuvent survenir. Là, j'ai l'objectif, si possible, de voir des renards, mais c'est pas encore le cas. Alors, ça s'est produit récemment, j'ai pu photographier et filmer un renard en train de capturer un campagnol dans la neige. Si je ne fais pas de photo aujourd'hui de renard, eh bien je vous montrerai à la fin. Et en tout cas, c'est une leçon de vie que de voir comment, eh bien, la nature, elle est sans arrêt en train de faire face à ces inconforts, comme ici, les arbres qui poussent malgré le froid, malgré les conditions climatiques. Et j'aimerais vous dire de croire en vous, en fait, parce que si vous réfléchissez aux moments qui ont été vraiment spéciaux et magiques dans votre vie, vous verrez que souvent, il y a eu une sortie de zone de confort. C'est rare qu'on vive des choses extraordinaires en étant dans les habitudes. Pourquoi? Ben parce que, d'après moi, quand on fait quelque chose d'inhabituel et d'un peu difficile, eh bien, c'est l'occasion d'être beaucoup plus attentif, beaucoup plus conscient. Et ça permet de se dépasser. C'est un très bon moyen de créer des circonstances pour évoluer et pour profiter de la vie pleinement. Je crois que c'est ça en fait. On n'ose pas aller au-delà de la zone de confort parce que on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si ça va réussir, si on va savoir faire, si ça sera bien accueilli ce qu'on voudra faire. Mais j'ai envie de dire qui ne tente rien n'a rien. Et moi je sais que personnellement c'est pas en restant chez moi où il ne neigeait pas du tout, où la neige avait fondu, que j'aurais pu vivre ce moment-là et vous le transmettre. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous remercie et à bientôt sur Equiliforce.